Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 15h41, on est lundi 3 avril et je suis avec Gaëtan. Aujourd'hui on a quelques trucs à faire, donc on va les faire ensemble et en plus c'est un jour de repos. Donc voilà, là on est garé et on va aller à la boîte postale en fait, comme d'habitude. Je sais pas combien j'ai de colis. Tous mes jours de repos je suis avec elle. Oui. C'est combien de temps, c'est fatigant. T'en as marre de moi? Non. Le 1er avril c'était nos 3 ans. Donc voilà, je l'ai pas dit. Enfin, si je l'ai dit, je l'ai mis sur Snap, mais genre voilà. 3 ans, les gars, 3 ans. Et on a rien fait, parce qu'on a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc là, on va aller à la boîte postale. Et tu dois dire combien j'ai de colis. Parce que toi, tu devines bien des fois. La dernière fois, t'avais mal deviné, mais le mec à côté, deux colis. Ok, on va aller voir du coup. C'est parti. Donc c'est un fail, je n'ai eu aucun truc. Mais bref, du coup on va faire nos autres trucs qu'on avait à faire. Je me suis pas lissé les cheveux, je me suis juste séchée. Et le fait que ça sèche, bah voilà, ça les lisse encore plus. Donc voilà. Là il est en train de mettre de l'essence. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on part dans 3 jours. Et je suis hyper contente, bon, il y a beaucoup de soleil là. Il fait un peu chaud, je vais peut-être enlever ma veste. Je crois trop l'essence, c'est gratuit. Ah ouais? Ouais. Si tu veux une carte. Donc on va partir en Bretagne en voiture. Ah, on va en voiture? Oui. On va en voiture, tout ça, ça va être cool. Là mes cheveux ils sont grave abîmés. Je pense que je vais les couper demain, je suis pas sûre, on verra. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, ah oui, on va aller au Val d'Europe tout à l'heure, j'ai envie de découvrir le nouveau Sephora parce qu'il a ouvert. Ne veux pas. Bah si, on va voir le nouveau Sephora, comment il est. Si vous vous demandez ce que j'ai sur les lèvres, j'ai le Benin Taste de Julicious Cosmetics. Donc c'est une teinte un peu orangée, orangée brique, enfin c'est trop trop beau. C'est la première fois que je le mets et j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ça allait bien ensemble, donc voilà. Il est hyper confortable, enfin, les trucs Julicious. Vous savez, j'avais fait une collaboration avec elle et j'avais créé 2 teintes. Et bah là, c'est une des teintes de Flora Cockerell. Donc voilà. Ah oui, ce matin, j'ai posté ma vidéo. Normalement, je l'avais programmée à 10h, mais elle s'est pas programmée. Enfin, elle s'est pas postée à 10h. Et du coup, bah, je l'ai postée à 11h ou 12h, un truc comme ça. J'essaye de faire des vlogs régulièrement, comme vous avez pu voir. On va aller au Val. On va aller aussi au Production, peut-être, puisqu'on va faire un peu de petites courses. Donc là il a fini de mettre l'essence et en fait il va aspirer sa voiture parce qu'en fait c'est avant de partir bah, en Bretagne, c'est mieux que ce soit un petit peu propre. Donc on va partir avec sa famille et tout. Là-bas je sais pas du tout si je vais vlogger tous les jours, j'aimerais bien. Mais ça va être un peu compliqué parce que enfin, il y aura sa famille et tout. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'être exposé, donc on verra bien. Ça décrasse, ça décrasse, ça décrasse. Là je suis dans la voiture et je suis en train de modifier une photo pour Instagram. Donc voilà, j'ai grave lissé ma peau parce que comme vous savez moi j'ai des rides sous les yeux. Du coup oui hein, les photos Instagram c'est pas non plus 100% la réalité. Je vais vous montrer la photo originale. Regardez bien, je suis une escroc. Oh mince, ah, on voit pas. Je sais pas si vous voyez. Celle-là c'est la pas photoshopée, donc on voit bien les rides. Enfin non, vous voyez pas trop là. Et là, tadam, tout lissé. Mince, c'est pas elle. Tac, tac. Enfin voilà, j'ai éclairé un petit peu parce que bah voilà quoi, il faut quand même laisser un peu la peau pour que ce soit joli. Bon, la photo elle est pas ouf en elle-même, mais en fait je voulais montrer le rouge à lèvres parce qu'il était beau. Du coup voilà, je vais poster ça pour Julicious. Et voilà. On dirait vraiment que j'ai peur de quelque chose sur la photo, mais bref, j'en ai fait une trentaine et il n'y avait que elle de bien. Du coup, bah voilà. Je vais poster elle. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mon compte c'est Noetti. Je poste, j'essaie de poster régulièrement aussi. Là j'essaie de poster tous les jours. Donc poster ma photo sur Instagram. J'ai notifié des petits trucs. Mon haut vient de beaucoup. Mais ouais, je l'ai pas notifié. Je vais le notifier d'ailleurs, j'ai oublié. Et voilà. Il faut que je refasse mes ongles aussi. Regardez comment ça a poussé. C'est du gel, c'est horrible. Là, il commence à se casser et tout. Donc, je vais refaire du vernis en gel avec du semi-permanent parce que c'est
c'est vraiment chiant. Mes ongles ils sont trop fins et ils sont coupants, donc c'est un peu chiant. J'ai bien fait de prendre mes lunettes de soleil parce qu'il y a pas mal de soleil aujourd'hui. Donc voilà, bon, il n'y en a pas dans la voiture, mais j'aime bien les mettre parce que je me sens plus confortable. Et quand vous avez des lentilles, enfin quand vous avez la lumière trop trop forte, ça fait super mal aux yeux. Donc moi j'ai l'impression que la lumière dans mes yeux, ça me fatigue et tout. Donc voilà, et après j'ai encore plus de cernes. Donc voilà, je mets des lunettes. Monsieur est en train de nettoyer pendant que je suis sur les réseaux. Tu veux pas que je t'aide? Toi tu vas aspirer là. Ah ouais, moi je veux bien aspirer, j'aime bien aspirer. Ouais, c'est moi. Ça, après tu vas avoir la conjonctivite là. Eh, ferme la porte, regarde, tu vois, il y a les gens, ils vont défoncer la porte, on ne pourra plus partir en Bretagne. Ah, c'est on trop dur. Ah, les couilles des gens. Ton assurance elle va pas marcher là, tu vas voir que tu vas pleurer. Oh, j'en ai marre. Je rigole. Pour les filles, dites-moi si vous avez. Vous n'êtes pas française et que vous avez un copain français. Enfin, un bon baptou quoi. Et après des fois il vous sort des expressions genre que je comprends pas. Et du coup la communication c'est un peu compliqué des fois parce que il me sort des expressions et je connais pas et je fais ça veut dire quoi. C'est ça de sortir avec un babtou. C'est pas méchant hein. Quand je dis babtou c'est vraiment genre je voulais dire français tu vois. Babtou. Babtou. Parce que je suis un petit peu perdue. Vu qu'il a des parents très très français, une famille très très française. Ah, fais-moi une pièce. Quoi? Une pièce? Oh, il demande toujours des pièces, c'est pas tout. Mais t'aurais dû en prendre plusieurs. C'est tout? C'est moins cher quand tu me les donnes, toi. Ah ouais? Une. J'en ai plein. Je les utilise pas parce que je lave jamais ma... Alors j'aspire pas. Il trouve des trésors. Il a trouvé 2 euros et 10 centimes. Il a retrouvé un cadenas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça maintenant? Bref, le centre commercial change. Donc si vous ne connaissez pas, on est au Val d'Europe et on va aller au Sephora du coup. Et en fait, ils font beaucoup de rénovations, donc c'est stylé. On va aller voir tout ça. Oula! Que se passe-t-il? On sent tout. Ouais, si on peut. Regardez sur le panneau ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Primark. Mais ça n'a pas encore ouvert, mais genre ils vont ouvrir bientôt. C'est, c'est un truc de fou, je sais pas du tout. Donc hier je vous ai parlé de l'histoire avec Shake Up. Et comme par hasard je viens de la croiser, elle était juste assise là-bas. J'ai oublié de la vlogger. Mais je lui ai dit bonjour et tout. Et c'était trop marrant parce que on s'est dit ouais j'espère qu'on va se revoir genre en mode normal. Et voilà du coup bah je l'ai vu. Regardez le ciel, enfin le plafond plutôt. Genre ils ont tout renouvelé et tout. Et je vous l'ai montré la dernière fois mais là je voulais pas montrer pendant le jour. Et du coup bah je trouve ça grave stylé. Ah c'est un jeu. Trop stylé. Waouh. Le Sephora, comment il est trop beau. Donc là ça va être la première fois qu'on découvre le Sephora du Val d'Europe du coup. Et genre on dirait celui des Champs un peu, c'est trop beau. Il y a le stand Kat Von D, Dior. C'est trop beau. Saint Laurent, Chanel. Regardez, c'est les produits que je vous ai montrés dans mon avant-dernier vlog. Sephora m'avait envoyé une box et il y a tous les trucs en fait. C'est le stand Korean House. Et vous pouvez voir tous les trucs et tout. On a reçu pas mal de choses. Donc voilà, trop mignon. Ah, il y a ça. Il y a aussi les masques que je vous ai présentés. Trop peur ça. Ouais, c'est vrai que ça fait peur un peu. Mais ouais. 10,90 et j'ai pas encore testé, mais voilà. Il y a aussi les masques Dr. Jart. Ça. Ouais, c'est une idée. Regardez, il y a le stand Lancôme. Et il y a les produits. Les produits que je représente. Donc le métallique. Et voilà, il y a toutes les couleurs sur le site. Il y a ça qui est en rupture, ça et ça. Il reste les trois, mais là en magasin, je crois qu'ils y sont tous.
Voilà. Allez, on va la voir bientôt. En avril, fin avril. Dès ce que je viens de voir, il y a le stand Ouda maintenant. Oh putain, il y a la palette trop belle. Il y a la palette que je voulais. Achète. Mais c'est trop ouf. Elle y est maintenant. Donc maintenant, il y a les stands Ouda un petit peu partout. Il y a tous les rouges à lèvres. Oh non, elle est trop belle. On va swatcher ça. Est-ce que tu peux tenir en haut? Il y a deux versions. Ouh là là. Il y a tous les fossiles. Oh là là. Là, il y a le truc Too Faced. Et il y a ça. Parce qu'avant, il n'y était pas. Mais maintenant, il y a donc ça. C'est archi bien. Trop trop bien, ça sent archi bon. Et il y a la Sweet Peach. Les glosses. Le blush. Et j'hésite à reprendre le mascara parce que j'ai plus de mascara waterproof, enfin j'en ai un, celui de Lancôme, mais il y en a presque plus. Donc, oups. Donc là je suis à Auchan. J'ai rien acheté là-bas parce que je me suis dit j'ai trop acheté ces derniers temps, donc voilà. Donc là je rachète des trucs basiques que j'ai besoin. Ah tu prends ça le, finalement, le bleu? Il achète ses tapis, il a besoin de tapis. Voilà. J'ai pris une pince à épiler parce que la mienne je l'ai perdue. Des make-up parce que c'est la base. Et il me faut des gros cotons. Des gros cotons carrés. Non, je vais prendre ceux-là. Des make-up c'est vraiment bien. J'ai eu une collaboration il n'y a pas longtemps avec eux, mais c'est vraiment des produits que j'achète tout le temps. Donc... voilà. Et j'ai acheté les lingettes bleues. Voilà. Et toi, t'as acheté une laque? Non, c'est quoi? Pas besoin de panier. Mais... tu veux pas, toi? Tu veux pas dire que t'as acheté de la laque? Oups. La laque, c'est pour les filles. N'importe quoi. Mais je sais pas. Regardez, il y a Sana. Il y a Sana. J'ai pas quelque chose pour acheté. Ah, n'importe quoi. T'es stylé, hein? Après deux semaines, non, un mois de rupture de Guinness, enfin, il retrouve... oh! Ah bah là, tu peux prendre tout comme ça, tu les remets en rupture de allez, soi. Nouvelle rupture. Faudrait peut-être pas forcer. Ah, tu peux en prendre pour bon, la Bretagne. Ah non, t'en achèteras là-bas. Enfin, sauf si on n'a pas, je sais pas. Regardez. Hein? C'est vrai, c'était bon. Sauf que, des rabais. Elle a mis quoi dedans? Elle trouvera jamais. Elle a mis des miel pops plutôt. Elle a mis des miel pops dans le gâteau. Tu mangeais ton gâteau chocolat, c'était grave. Et après, tu tombais sur des bouts de miel pops mou. Ah, je disais, il y a plein de chocolat parce que c'est bientôt Pâques. Et c'est trop cool. Finalement, monsieur a eu une offre tellement ouf de Guinness parce qu'il y en a. C'était 1,89€ les 4. Les 1, 1€ ouais. Ouais, bon, bref, 1€ et quelques les 3, les 4. Et du coup, monsieur veut y retourner. C'est mieux que tu te gares au fond là-bas. Ouais, je me rends compte. Bref, et du coup, on va y retourner vite fait. Pour qu'il achète toutes. Attention! Pour qu'il achète ses packs, il va en acheter je sais pas combien, mais on verra bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Parce qu'il trouve ça tellement pas cher. J'avoue, quand on va genre à Disney pour prendre un verre, c'est combien? C'est 6€ le verre. Un truc comme ça. Et là, c'est 1,78€ les 4. Donc c'est l'affaire du siècle et il va encore faire une rupture de stock. Non mais en vrai, tu déconnes là, j'espère. Bah non, bah prends la dernière, tu fais trop genre. Bon bah le coffre est rempli à moitié de sa Guinness. Le mec est content parce qu'il a fait une affaire en fait. En fait on a payé pour 4 le prix d'une canette. Ouais, pour 4 le prix d'une, j'avoue, c'est pas cher. Arrête de te la péter, il va finir par avoir un gros bide. Non, c'est tellement cher en fait que c'est bien. J'avoue. Donc là on est arrivé au Clos du Chêne. Donc là on va dans le magasin de chocolat. Gaëtan est trop content, il a acheté toute sa Guinness là, il a vidé le stock. Il en aurait eu plus, il en aurait acheté plus, abusé. Le magasin où on va rentrer c'est Chocolat Roland. Et on a acheté des trucs là dedans la dernière fois et c'était super bon. Regardez, il y a plein de trucs. Comme c'est bientôt Pâques, si jamais vous voulez acheter des chocolats, des trucs pour les gens et tout, bah ici c'est plutôt sympa. Enfin il y a plein de... enfin c'est trop bon en fait, c'est original et tout, et en plus on a déjà goûté plein de fois, enfin c'est bon, c'est vraiment des petits sachets genre, on dirait des trucs artisanaux, trop cool. Donc voilà, il y a plein de choses ici, là, et voilà. Donc on prend des petits trucs pour la voiture, pour le trajet, parce que ouais, on aime bien les trucs comme ça.
Lui, il aime trop les amandes. Lui, c'est trop un babtou. Il a trop des habitudes, genre. Ça donne envie de faire une dégustation, mais je vous jure, on va vomir. T'as kiffé? Je change ou pas? Non, je vais prendre un autre. Ah ouais, vas-y, putain, je suis mal. Oh, trop de chocolat. Oh non, ça a l'air trop bon. Ça, toi, tu prends les chocolats noirs, là. Ah, arôme naturel d'orange. Oh ouais, trop. Mais ça, oh, 70% de cacao. Oh, ça, noix de coco. Ah non, mais moi, je prends ça, je te le dis direct. Oh non, mais vas-y, je vais le fat. Noix de coco. Non, mais ici, vous avez trop de trucs. Donc, Clos du Chêne, venez acheter. Gravement. Il y a trop de choses. On dirait des cailloux. Ouais. Vous savez les galets qu'il y a sur le sable. Fabricant chocolatier depuis 1954. Donc on a acheté quelques petits trucs. On va vous faire un petit haul dans la voiture vite fait. Petit haul. Donc Gaëtan a pris des... Qu'est-ce qu'il veut lui? Il a mal nettoyé sa voiture je crois. Dragée aux amandes. Moi j'ai pris dragée au caramel à la fleur de sel de Guérande. Ça a l'air trop bon. Genre, ouais, voilà. J'ai pris un chocolat blanc. Je mange pas trop de chocolat. Moi, je suis pas, d'habitude, je suis pas trop au chocolat. Enfin, c'est plus mon père. Donc voilà. Lui, il a pris un chocolat noir 70% cacao. Et il a pris un chocolat au lait avec des amandes. De la pistache et tout. Donc on va aller dans ce magasin, c'est Natureo, apparemment ça vient d'ouvrir, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, je vous emmène avec nous à l'intérieur. Regardez, merci. Donc en fait, il y a ces chips, des chips de kale, et le kale, genre c'est ça. Et genre j'aime trop. À chaque fois j'en vois sur les chaînes et tout, mais genre j'ai jamais... Enfin il n'y en a pas vraiment ici dans les Auchan et tout. Et du coup, bah, on va goûter ça. C'est bon alors, t'aimes bien? Tu as la moutarde. C'est vrai? Ah, il y a marqué sweet, moutarde, piment. Oh là là. C'est grave bon. Du coup, j'ai acheté un paquet, je pense. C'est pour goûter. Ouais. Mais il y a ça ou il y a nature? C'est mieux moutarde, non? Il y a aux noix de graines lactium. Tu penses? Depuis le temps que je vous dis que j'aimerais faire une dégustation bio, je pense que je vais faire ça sur ma chaîne. Parce que je devais le faire avec Amandine, mais ça nous est passé par la tête. Et du coup, voilà, là je cherche mon déo Lavera, parce que franchement, il est trop bien, mais c'est un truc de ouf. Il est presque fini et il faut que je le rachète avant de partir. Du coup, voilà, ah c'est trop bien, il n'y a pas de musique, ça te casse pas les oreilles. C'est un truc de ouf. Il y a Melvita. Tu te souviens du déo que j'avais acheté la dernière fois au magasin bio? Le pchit là. Et genre, il est... heureusement que je l'ai pris parce qu'il est trop bien. Je l'ai terminé. Non, pas de dame. Qu'est-ce que tu fais avec ton... Ah ouais? Je me souviens plus. Il n'y a pas la Vera ici, je suis déçue. Ah oui, ça, j'avais pris cette crème là, ça m'avait brûlé la tronche, donc je l'ai donné à ma mère et elle aime bien. Ça, ça a l'air trop bon. C'est genre des tartines à la noix de coco. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de goût, mais... Moi j'aime bien les trucs comme ça. J'aime trop ça là. C'est trop bon. Ah, moi aussi je vais manger ça tout à l'heure. J'espère que c'est salé. Hein. Ah, c'est pour ça que quelqu'un m'a dit que c'était pas une salade, c'était du chou. Hein. Vas-y, pour moi c'est la même chose. Ça se mange. Oh, c'est dur quand même comme truc. Hein. J'adore. Donc on a acheté ça. Chips de kale cru. On a pris. Ça, ça a l'air trop bon, tomate mozza. Yo. Ouais, ça a l'air chelou, mais bon. Des chips vinaigre. C'est ça, moi ça. Ouais, mais en fait, nous on n'est pas très bio, mais genre on aime bien. Enfin, ma mère elle a dit que c'était pas mal de passer dans ce magasin, du coup on a voulu voir. On n'avait pas trop envie d'acheter grand chose, mais on reviendra sûrement la prochaine fois. Mais moi j'aime trop ça. Par contre, ça c'est 4,99€, c'est archi cher, surtout pour nous parce que nous on les bouffe vite. Donc voilà. Donc on vient tout juste de rentrer, donc là on va dîner ensemble. On attend mon père. Ouais, merci. Et il y a Gaëtan, on va manger tous ensemble. Donc voilà. Gaëtan elle aime trop les pâtes sautées, les nouilles sautées plutôt. Donc je crois qu'il va tout bouffer. Donc nous sommes dans la voiture. Il est 21h52, on va aller au ciné. D'abord on va aller chercher Flo, parce que voilà, on va aller voir La Belle et la Bête. Donc on a passé un bon dîner, n'est-ce pas? Yes. Un très bon dîner, c'était super cool et tout. Des nouilles sautées, oh j'adore. Ouais, il aime trop la bouffe asiatique. Bah là on va y aller quoi. Donc là on arrive vers Disney et il y a les feux d'artifice. Oh, oh, oh.
Attendez, je vais vous faire un zoom. Bon, il vient de laver ses vitres, mais comme il s'est garé en dessous de, d'un arbre devant chez moi, et bah ça a mis des trucs chelous. Du coup, voilà. Ah, on voit pas très bien. Je pense que c'est fini. Ah ouais, je crois que c'est fini en plus. Donc, on est allé chercher Flo qui est juste derrière. Attendez, je vais vous le montrer. Je dézoome d'abord. Oh merde, comme par hasard. Bon, il y a encore les feux d'artifice. Bon, il est juste derrière. Ah, il est là. Problème de hair. Bad hair day. Bad hair day. So, so you put a beanie. A beanie on it, you know. Yes. Là, voilà, au calme. C'est bientôt les 25 ans de Disney. C'est le 13, il me semble, le 12 ou le 13. Mais regardez, c'est encore ça alors qu'il a tout nettoyé cet après-midi. Il a trop le seum. C'est parce qu'en fait, regarde, je vous explique. L'extérieur, c'est parfait. Par contre, l'intérieur, comme un gogol, j'ai nettoyé qu'un truc qui laisse des traces. Bah, je te l'ai dit en plus. Oh, il y a des petits points. Quoi. Non, ouais, attends, j'ai tout nettoyé aujourd'hui. Je me garde devant chez Astrid et ces arbres de merde. Ah, hein. Trop le seum. Tu l'as pas dit, Astrid, c'est la base. Ouais, c'est des gamines. En plus, moi, j'ai un truc où. C'est la base. Elle va me redonner une pièce mercredi, on va renettoyer. Bah, j'en ai plein des pièces de toute façon. Tu vas me redonner une pièce. Petite pièce. Bref, et donc là, on va aller voir. La Belle et la Bête, j'espère que c'est bien. Parce que voilà, j'ai mis ma veste parce que j'ai un peu froid. J'ai même pas pris les places et ça a commencé depuis une minute. Je sais bien, le niveau 1 il est complet, mais pas le niveau 0. Ah ouais. Fort tout le monde a l'air haut. Merde, on te voit pas à cause de ma ceinture. 22h15, des box. C'est en 3D? Non, c'est pas en 3D. J'espère pas, j'ai mis mes lunettes. Grave. Alors, 3 places. I'm gonna vomit. On se met tout devant. Hein. Mais ouais. C'est la salle IMAX, wesh. Sérieux? Ouais. On se met pas trop loin alors. Je me mets là. Non, mais pas trop devant quand c'est IMAX. Non. Parce que l'écran, elle est vraiment devant. Okay. On a essayé de faire tout devant à l'IMAX. Eh, j'arrive pas à cliquer. Mais avec le temps, ça va. Au final. Au fur et à mesure du film. Mais au début, j'avoue, ça pique trop les yeux. Parce que tu es obligé de faire comme ça pour lire les dialogues. Ah ouais. Eh, je viens d'y penser. On en parle que maintenant, mais tu sais, Ghost in the Shell, là. Ouais. On l'a vu, on allait le voir en VO. Déjà oui, oui, ouais, j'ai remarqué à la fin aussi. Enfin, j'ai remarqué pendant, mais genre, j'ai même plus fait. Il est vite fait. À Skip, ça sort de manga et tout, mais ouais. je trouve ça c'est vite pas, fait. C'est pas dingue. J'arrive pas à cliquer. Bon, on va aller voir là-bas. Parce que de toute façon, t'as la carte. Ouais. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est bon, les chips de Kale. Ça ressemble à du shit. Je ne fume pas c'est de shit. Un brocoli. Ouais, c'est ça. Brocoli, hein. T'as pas fermé ta porte? Comme d'hab, on va te voler toute ta Guinness. Plus vite, on est en retard. Qu'est-ce que tu dis? Oui ou non? Oui ou non de quoi? On va aller chercher un 5. Qui est juste là-bas d'ailleurs. On n'est jamais allé. Hein. C'est vraiment choquant de notre part d'ailleurs. T'es cap? Je sais pas. Non, il y en a un qui va au Starbucks, il y en a un qui va au Five Guys et moi j'achète les billets. I don't know. Je ne sais pas. Allez, 22h22. Mais c'est bon, 8 minutes. Ouais, c'est vrai, le temps de faire les hamburgers, c'est chaud, non? Non, pas aujourd'hui. La prochaine fois qu'on sera plus tranquille. Monsieur a oublié son ticket de parking. Bravo. Bravo le ticket de parking. Ouais. C'est comme la salle IMAX. Du coup, on va regarder le ciné et on vous dira si c'est bien. Je pense que ça a commencé, donc je vais pas filmer l'intérieur. Il a dit que ça commençait dans une minute. Ça fait 5 minutes qu'on cherche la salle. Donc, on a terminé le film. Enfin, on a terminé le film. On est sorti du film et tout. Il était bien. C'est mon meilleur ami. Moi du tout, tu m'envoies jamais de snap aussi. C'est intéressant. Est-ce qu'il était bien le film? Il faut dire s'il était bien. C'était plus pour les enfants en fait. On écoute de la musique et tout. On essaye de retrouver des musiques de Blue Robinson. Je sais pas si vous connaissez. C'est mon pote, les gars, followez Instagram. Si vous... @ Blue Robinson. Ouais. Si vous le connaissez pas, c'est normal. Allez le notifier qu'on vous envoie d'ici. C'est bon. Mais je suis sûr il y a des gens qui connaissent. Oh, il y a les keufs, ma gueule. Sûr. Flo il bouffe tous mes chocolats comme d'hab. Ils sont trop bons. Chocolat à 10 000 euros. Non ça va, c'était pas très cher. Tiens, un morceau. Non mais c'était le morceau. Radine. Il y en a plus.
Étonnamment, c'est des blocs en plus qui me donnent. Et ta voisine, elle a oublié d'éteindre sa lumière. En bas. En bas. Il doit cuisiner. Dehors. Dehors, en bas. Ah ouais. Ouais. Mais non, c'était pas ça. Il va pas reconnaître. Trop nul, d'accord. Ah merde. Parce que je l'ai cherché depuis tout à l'heure. Parce que tu l'as déjà écouté. On va vous faire first impression. Il commence à 6h demain, malaise. Et il est déjà 1h. Et tu vas dormir. Ah mais tu vas commencer à quelle heure? Enfin, je veux dire, tu vas partir à quelle heure? Dans 2h. À 5h. Oh, ça sent trop trop bon. Qui veut goûter? Tu veux manger des cailloux? Donne-moi un caillou. C'est à quoi? C'est aux cailloux. Gaëtan, il goûte là-bas. Non, chacun mange. Allez, tiens. Caillou. Oh, je suis sûr, c'est trop bon. Donc, en fait, c'est dragée duo à la fleur de sel de Guérande et au caramel. Oh, c'est mou. Oh, c'est bon. Mais ça, à mon avis, c'est vite lourd. Hein. Est-ce que vous en pensez? Ah, si, c'est bon quand même. Ouais. C'est bon, hein? Ah, il y a vraiment un goût de carbone à la fin. T'aimes bien? Il y a de la carbone, il y a de la carbone, il a dit. Ouais. Tu sens pas le amer? Oui, les gars. Oui, les gars. Mais quoi? Je vous mets la gueule. C'est mignon. On va mettre trop les défauts, c'est pas grave. C'est gros. Ça te dit rien, Gaëtan? Je crois que c'était celle-là. Ouais. Ah ouais, carrément pas. Cassez-le. Allez, Gabs. Allez, Gabs, c'était perdu. Ah, ça, j'aime bien ça. Ouais. Eh, tu le renverses pas quand on le prend. C'est sûr que tu vas le renverser. Bon, voilà. Je pense que ce vlog va se terminer maintenant. Car on va rentrer, on va faire le montage. Il y en a qui vont. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui sont au chômage. Qui sont en vacances plutôt. Et voilà quoi. J'espère que. Que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est qui? On va. Non. Tu vois? Je t'explique. Ah, c'est Breaking Bad. Et voilà. Bye.